Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 2019, donc sur FUT précisément. Donc vous étiez nombreux à me demander si j'arrêtais des vidéos sur FIFA 2019. Non, parce que certes, cette fois-ci j'ai fait pas mal de vidéos sur d'autres jeux comme Red Dead Redemption, même PES. Oui les gars, même PES, je joue à PES, c'est un très bon jeu cette année je trouve. Et vous étiez nombreux à me demander si j'arrêtais. Non les gars, c'est une chaîne multigaming où je m'amuse, je vous présente les vidéos que où je m'amuse, même si peut-être les autres vidéos marchent un peu moins, je m'amuse quand même, je vous le présente les gars, je suis pas là pour faire le mec, on s'amuse d'accord. Donc je voulais quand même vous prévenir, il y aura toujours autant de vidéos sur FIFA, mais à côté il y aura avec des vidéos Red Dead Redemption, etc. C'est un jeu que j'ai kiffé. Hop, hop, la manette est tombée. Donc les gars, on va commencer. Donc pour ce petit combo, vous allez mettre au nord le pays où vous allez le mettre en Mexique. D'accord, Mexique. Et le championnat, vous allez mettre le championnat mexicain. J'espère. Donc ce combo, franchement les gars, c'est pas cher en fait. On se fait pas un gros bénéf sur un joueur. Mais comme ça tombe beaucoup, mais vraiment beaucoup, on se fait beaucoup, beaucoup de bénéf. Donc le championnat Banque Commerce, voilà. Vous mettez le prix, donc il varie, comme je vous ai dit, entre 850 et 950. Ça dépend à quelle heure on va faire de l'achat en vente. Donc le prix il varie. Donc on va se mettre à 600 et on va spammer fort. Fort. On va spammer tout ce qui tombe à moins de 600, on le prend. Tout. On se casse pas la tête, d'accord. Tout ce qui tombe, on le prend. Et vous allez voir, on va se faire en fait, pour un joueur, on va se faire entre 350 et 450 à 500 de bénéf. Comme ça, d'accord. Vous allez voir que c'est vraiment un truc de fou. Waouh, on va se faire 500 de bénéf sur certains joueurs. Et comme ça tombe beaucoup, ça, en gros, en 3-4 joueurs, on se fait 1000 de bénéf. Et on peut se faire 5 joueurs en même pas 2 minutes. Donc en gros, on peut se faire 2000 de bénéf à peu près en même pas 2 minutes. D'accord. Donc c'est vraiment, ça tombe vraiment beaucoup. Déjà là, on a chopé un. On va lister à 900 directement. On se casse pas la tête. Vous allez voir. Tous les joueurs que je vais choper aujourd'hui vont se vendre d'ici la fin de la vidéo. Pour ceux qui se vendent pas, comme on fait pas de cinéma chez nous les gars, je mettrai des captures d'écran que ce sont bien vendus et qui sont bien vendus après la vidéo. Parce que là je sais qu'il y en a qui sont pas vendus en pleine vidéo, du coup j'ai fait une capture d'écran pour vous montrer. Regardez là encore, on a chopé un autre joueur. Et vous spammez, ça va tomber, c'est vraiment ça tombe. Ça tombe à 500, vous allez voir qu'on va choper d'autres à 350. Et vous allez voir, c'est vraiment, ça marche de fou. Et c'est top, vraiment c'est un très bon combo qui marche vraiment bien. Là on l'a raté à 400, il n'y a pas beaucoup de monde. Moi ce que je vous conseille de faire ce combo en fait, si vous le faites je pense l'après-midi où il y a plus de monde, les prix vont baisser et ça ne devient pas intéressant. Je vous conseille de faire ça le soir, comme parce que le soir les prix ils augmentent et ça devient plus intéressant, d'accord. Et ça tombe toujours aussi bien le soir ou le matin, d'accord. Contrairement au combo que je vais vous montrer après, c'est mieux de le faire l'après-midi parce que ça tombe plus. Mais vous allez voir. C'est toujours aussi bien à n'importe quelle heure que vous le faites, oui, exactement. Désolé, moi, le français, l'équipe. Bref, donc là, on l'a chopé à 350 de la vue. Là, on l'a raté. Donc, regardez la vidéo, mais écoutez-moi aussi. Hein. Donc, pam, 400, on l'a raté. Dommage. Mais vous allez voir, les gars, vous spammez, ça tombe. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je parle, il n'y a pas eu de coupure, il n'y a rien eu. Et ça tombe, ça enchaîne. Dites fou, là on est le soir, ça tombe moins que l'après-midi. Mais c'est mieux quand même de le faire le soir parce que les prix sont plus chers. Donc là, le jeune joueur c'est Nani, donc il n'y a que deux combos. Cette fois-ci, d'habitude, je vous présente trois. Mais là, il y a deux combos, je ne vais pas vous montrer faire les mecs et vous montrer un combo qui marche pas. J'ai pas trouvé d'autres combos qui marchent, du coup, je vous présente que deux combos. Là, vous êtes Nani, vous allez être en spécial et vous allez voir son prix varie en fait actuellement entre 16 500 et 17 000. Là, je suis le soir, du coup, le prix, il est un peu plus cher. Mais si vous êtes le matin, il va varier entre peut-être les... Il va jouer dans les 15 000, le prix. Ok. Donc là, vous allez spammer. Comme là, il coûte 17 000, les gars, je vais prendre minimum... Je vais spammer à 15 500. Tout ce qui tombe à 15 500, je le prends. À 16 000, par exemple, lui, c'est un bon prix à 16 000. Hein. Un bon prix, si je veux l'acheter, je le garde pour mon équipe. Mais pour faire de l'achat revente, à 16 000, non, c'est pas bien. Parce qu'en fait, je ne vais pas me faire un gros bénéfice, même pas du tout même. Si je le vends à 16 000, je le chope à 16 000 et je le vends à 17 000, je ne vais pas me faire un bénéfice, ok. Donc les gars, comment je sais ça moi les gars? Pour savoir, parce qu'il y a la taxe de IA, tu vois. Donc regardez, la 15 500, je le prends déjà. Il y a la taxe de IA qui compte. Comment calculer la taxe de IA? Exemple, si je vends mon joueur à 1000, je l'ai acheté à 500 et je le vends à 1000. Vous enlevez le dernier 0 de 1000, ça devient 100.
et vous divisez 100 par 2. Ça fait 50. Ok? Ça veut dire, si vous vendez votre joueur à 1000, EA va prendre 50 crédits sur 1000. Voilà. Comme ça, vous savez. Mais sinon, je mettrai le lien dans la description d'un site très simple. Vous rentrez le prix auquel vous avez acheté et au prix auquel vous allez le vendre. Et vous donne, vous allez combien de bénéfices vous allez vous faire. Regardez là l'équipe. Notre joueur a été vendu dans Nikona Shopet tout à l'heure à 15 500. Et vous avez vu déjà que j'avais vendu pas mal de joueurs. Donc là, on continue de spammer l'équipe. Pareil, on n'arrête pas. Et vous allez voir que ça va tomber. Ça va tomber. Donc là, je revérifie les prix. Je teste l'autre méthode. De la tête 59 où il faut les gars appuyer sur carré rang, vous voyez. Donc ça c'est une méthode pour pas se faire bannir, parce que là si j'aurais continué à spammer fort comme ça, je peux me faire bannir quelques instants du marché. D'accord. Donc c'est bien des fois d'alterner si ça tombe pas, d'aller sur le truc en carré rang. Donc ça c'est un détail, vous êtes pas obligé de le faire, mais c'est bien de le faire. Donc voilà, on continue de spammer, vous allez voir ça va tomber en pleine vidéo, il n'y a pas eu de coupure. Il y a eu une petite accélération tout à l'heure parce que ça a été assez lent, je vais pas vous mentir. C'est pour ça que je vous dis, c'est ce combo là, ou ce joueur là, il faut mieux faire l'après-midi. Parce qu'il y a plus de joueurs qui listent, du coup ça tend, il y a plus d'erreurs de prix. 14 000, pam, on l'a chopé à 14 000. Et les gars, on va le vendre à 14 000 et on va le vendre à 17 000. On va se faire à peu près 1200 de bénéfices sur le joueur à peu près, ce qui est vraiment énorme. Donc là, moi comme je ne chopais pas cher, je vais le mettre à 16 750 comme ça, il partira directement. Mais si vous l'aurez chopé à, je sais pas moi, à 15 000, vous le postez quand même à 17 000, on s'en fout. Hein. Les gars, si vous voulez, je vous explique, si vous voulez vendre votre joueur directement, vous faites le prix auquel il est le moins cher possible, tu vois. Pam, là on l'a raté à 14 250, dommage. Mais si vous voulez, exemple, si vous avez que 15 000 et vous allez choper Nani à 14 000, vous vendez-le directement, je sais pas, à 16 000, ça dépend son prix, vous voyez. Vendez-le directement au moins cher possible. Là on a chopé encore. Si vous voulez vous en foutez, vous avez encore un peu des crédits pour encore spammer, vendez-le un peu plus cher parce qu'il partira moins rapidement, mais il partira quand même. Donc là on a chopé un 15 250. Comme je m'en fous, je le pose à 17 000. Donc voilà les gars. Je pourrais encore continuer de spammer, y a pas de problème, ça va tomber encore et encore, mais là il faut que j'arrête, il faut faire la vidéo bien sûr. Sinon la vidéo va durer très longtemps, parce que là je vois que la vidéo fait déjà 8 minutes, c'est assez lent. Pour deux combos, c'est assez lent. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Si, prouvez-moi que vous voulez encore plus de vidéos sur FIFA, donc n'hésitez pas à liker sa mère. Il y aura toujours des vidéos sur FIFA, mais il y aura aussi quelques vidéos sur Red Dead Redemption et tout, etc. histoire de me faire plaisir. Il y aura bientôt les lives sur FIFA les gars, ne vous inquiétez pas. Donc likez les gars, ça fait toujours plaisir parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo FIFA. Je vais voir si la communauté FIFA est toujours là et qu'elle kiffe à fond. Allez, moi je dis ciao, puis à la prochaine. Donc je vous laisse avec les deux captures d'écran qui vous montrent, qui vous prouvent plutôt que mes joueurs ont été bien vendus. Allez, moi je dis ciao, puis à la prochaine. Prenez soin de vous et faites attention à vous la famille. Allez, ciao.